Une fois que les techniciens en investigation criminelle sont arrivés, que l'IRCGN est arrivé, que les premières mesures techniques ont été effectuées, on a pu à ce moment-là ouvrir le véhicule et c'est à ce moment-là qu'on a découvert une toute petite fille, environ 4 ans, que personne n'avait vue parce que depuis 4 heures de l'après-midi, elle ne bougeait pas. Sans doute terrorisée, complètement dissimulée, complètement immobile, au milieu des corps, pour dire les choses très très clairement. Donc petite fille qui va bien, elle a été examinée, elle vient d'être hospitalisée, ses jours ne sont pas en danger.